Et 73 JFK de la part de Daddy 33. Comment vas-tu? Putain, c'est hyper hyper chargé là, en direction du point d'Aquitaine. Hein. Eh ben tiens, panneau lumineux, véhicule en panne à 3 km, soyez prudent. Bon d'accord, donc c'est aussitôt après le pont d'Aquitaine que ça merde à fond. Eh oui, mais voilà, comme d'habitude, c'est... Ouais, ouais, putain, mais tu passes fort, hein, mon salaud, hein. Oh putain, la vache. Ah oui, puis t'as une modulation qui pousse vachement fort, hein. Ah ça, on risque pas de te louper, ah, chie trois coups. C'est bon, ah, en tout cas, pour ma part, là, je m'en vais sur Blanquefort, mais je suis un peu trop en avance. J'embauche à 8h30, quoi. Mais moi, bon, avec j'embauche à 8h30, et j'ai pris la voiture, mais je suis obligé de partir à 6h30, je prends la vie au bus, et après, je pars directement. Voilà, je suis en voiture, c'est comme ça, je pars à 6h30 pour 8h30.
Ah putain la vache, ouais, ben moi je suis parti du QRA là tout à l'heure, 6h20. Là il est 7h et puis me voilà là sur le pont. Ben ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, je vais attendre, là je m'en vais sur Blanquefort, bon je vais attendre par là-bas, et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent prendre le pont d'Aquitaine, dans le sens de la montée, c'est QRO, dans le sens de la descente, c'est la merde. Voilà, bon, ça roule quand même, hein, on avance, hein, puisque je suis à quoi? Je suis à, allez, 40-50 km/h. Bon, j'ai parlé trop vite, 30 km/h maintenant. Ouais. Ouais, tu crois que ça serait mieux? Ah ben si tout le monde passe par là, évidemment, ça risque d'être un peu le bordel. Bon, samedi soir, t'as loupé quelque chose, hein. Là, il y avait du monde, là, sur le QSO, là, du canal 27. Bon, vendredi soir, il y avait un peu de monde. Samedi soir, alors là, ça a été super. On se serait même cru, là, dans les années 80. Ah, chi. Alors, oui, il y avait le sud Charente, il y avait le nord Gironde, il y avait le département 24, bon, nous autres du département 33, hélas, Coco n'était pas là, il manquait Belphégor, il y avait Eric, 14 Victor Eco 27, qui lui était sur, Bordeaux Sud, je veux dire, il y avait Jean-Paul de Saint-Émilion, je sais plus après. On a même eu droit à une porteuse musicale. Là, il nous a nettoyé des QRM. Voilà, là je suis en bas du pont d'Aquitaine. Hein. Ouais, je disais, on a même eu droit à une porteuse musicale qui nous a nettoyé les QRM. Ouais, affirmatif, je suis toujours là. Voilà, j'avais les ronds-points à passer, là, au niveau de... Le rond-point qui est à côté du centre routier. Voilà, j'avais celui-là à passer, ça, je faisais gaffe. Ouais, mais je suis toujours là, j'arrive, je suis pas loin d'arriver sur le parc des expositions. Ouais, ça va, ça passe bien, tu parles avec la modulation que t'as, ça passe, hein. Ah zut, attends. Eh zut, tu savais que sur une voiture il y avait 10 vitesses à passer, toi? Là, au moment de reprendre le micro, j'ai le feu qui passe au vert. Eh zut. Yeah,
je sais bien, il y a un flou juridique à ce niveau-là concernant le micro de la CB, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas en abuser. Attends, je suis en train de faire le tour du rond-point, là, au parc des expositions, là où il y a le stade. Voilà, maintenant j'arrive dans la filet de rond-point, là, qui a derrière, là, qui longe le parking du parc des expos. Attends, 2 secondes. Là, je suis en journée, ouais, j'ai un truc un peu particulier, là, de ce côté-ci, ouais. Voilà, bon, tu connais mon pro, bon, ben voilà, quoi. Ah oui, quand même. Attends, me revoilà. Là, je de m'attraper là, tous les ronds-points là qu'il y a là dans le bout du parc des expos. Et là, voilà, je suis en route la direction Blanquefort. Ouais, fait 3 degrés ce matin, alors que hier, avant-hier, il avait gelé quand même. Enregistré. Attends. JFK, oui, la station, les bottes 73, voilà, de la part de Dandy 33, voilà, entre le parc des Espoo et Blanquefort. Donc, à la rocade. À la rocade, dans le sens pont d'Aquitaine, Mérignac, c'est un petit, ça merdonne à fond. Dans le sens de la montée, par contre, ça va, ça roule. Paris, c'est bon. Direction Paris, c'est bon pour le moment. JFK, est-ce que direction Paris, pour toi, c'est bon? Ok, justement, là, il y a un OM là, qui prend la route, la direction Paris. Hein. Ok, la station JFK là, qui est sur le pont de la Dordogne confirme là, que c'est tout bon là, pour direction Paris. Hein. Merci. Merci, bonne route à toi, bonne journée, malgré la météo du jour. Oui, les gars, avec la pluie. Ah ben oui, ça va nettoyer la route. Et tu nous arrives d'où comme ça, la station, pour nous, JFK et moi, là, on est en push, hein, on est en voiture. Donc, eh oui, il y a encore des cibistes en voiture, ça existe encore. Et toi, tu arrives d'où, là, comme ça? Bon, ben, c'est pas grave. Ok, JFK, ça arrive à bouger quand même un peu de ton côté, là, pour te rapprocher de Bordeaux? Ouais, tout à fait, j'ai roulé sur 600 mètres à peu près et je suis encore arrêté. Ah, ouais. Il y a vraiment des endroits auxquels il ne faut pas habiter, hein. Tout à fait, je confirme. C'est ça qui fait la jolie ville de Bordeaux. C'est un foutillage.
Attends, j'ai pas compris la station. Tu es dans Bordeaux, non? T'es pas loin. Je suis en train d'arriver là sur Blanquefort. Je suis pas très loin de Ford. J'ai mis pas peur. Ah ben oui, y a pas grand chose là qui nous sépare là. Je suis passé dans ça il y a quoi, il y a 3 minutes? Ah ben soit on s'est croisé ou t'attrapes le pont d'Aquitaine. Ah ben on s'est peut-être croisé en fin de compte. Avec le camion Brix rouge avec toutes les lumières. C'est les plaques. Ok, ben t'es... Ah si, ouais, je connais bien ces camions, il n'y a pas de problème. Votre boutique. Justement, c'est de ce côté-là que je vais. Ok. Il y a une visite aujourd'hui. Hein. Les visites ? Ouais, j'en dirai pas plus là-dessus, Hachi. Okay. Tu redescends après, là, ici, là, sur Blanquefort, là, aujourd'hui ? Ok, d'accord, parce que moi là j'y serai jusqu'à 17h30. Et moi j'ai passé, je pense, revenir vers 10h30. Ok, d'accord, et bien sur le parking, si tu vois un Duster blanc avec une antenne sur le toit, et bien c'est moi. Voilà, c'est. Je sais pas où je serai encore, dehors ou à l'intérieur du bâtiment, j'en sais de rien. Mais bon, tu verras forcément un Duster blanc de garé sur le parking. Et je suis là pour la journée, quoi. Parking de Ford ? Comment ? Tu seras sur le parking de Ford ? Là, chez Buex. Non, chez Buex, c'est les camions rouges. Là, j'en dirai pas trop là-dessus, mais là, je passe la journée là, ici. Là, là je suis un peu trop en avance parce que j'embauche à 8h30. Quoi. Là, jusqu'à 17h30. Ah, t'es en retard. Non, je suis pas en retard, mais ça, c'est à cause du pont d'Aquitaine. Voilà, parce que là, dans le sens de la descente, là, tout à l'heure, ça commence à être un petit peu limite. JFK, qui vient de passer le pont de la Dordogne, il s'est retrouvé complètement arrêté. Alors, c'est vrai que j'aurais pu partir plus tard, mais ça aurait été un petit peu la grosse merde, là, pour le coup. Hein. Ouais. Je vais faire qu'ils se dépêchent là de faire quelque chose, d'élargir là, parce que c'est vrai que là c'est pas le top. Hein. C'est les fantômes de bordel là. Il n'y avait pas autant de voitures non plus avant. Tiens, on pourrait déjà passer les camions jeune. Attends, je suis en train de me mettre en marche arrière. Attends, je relâche le micro. Ok, voilà. Ok, ben voilà, j'ai plus qu'à attendre à 8h15, 8h10, là, avant de commencer à approcher un peu. C'est ça, je vais prendre mon plan. Allez, bon courage et bonne journée. Ok, merci, bonne journée à toi, et puis
Peut-être à tout à l'heure, je sais pas. Quoique, quand on est au pro, on n'a pas le temps de voir les uns les autres. Mais de toute façon, si tu vois le Duster blanc sur le parking, il n'y a pas de problème, c'est moi. Les bonnes soirées 1351 à toi de la part de Dandy 33 et bonne journée. Merci, toi aussi. Alors, JFK, tu es rendu où là maintenant? Ah, ben, je suis devant Putain la vache, toi là le mille pattes là, il est pas très loin de moi. Eh ben tu lui passes beaucoup plus fort quoi. Chie. Mais en modulation tu lui passes plus fort évidemment. Bien sûr, j'ai bien compris, mais ouais, je suis en moment, voilà. Donc, je suis en seconde, je suis à 40 km/h, et bon, ça s'appelle. On va s'arrêter. Voilà, ça y est, on s'arrête. Ok, bon ben c'est Santiago de 3. Modulation 5, radio 5, je veux dire Santiago 3, tu vois, ça passe vraiment bien. Hein. Ok, d'accord. Bon, ben, toi, là, je suis content, j'ai plus qu'à attendre. Putain, quel con, j'aurais dû amener mon petit ordinateur portable. Je me serais mis là vite fait là sur internet pour aller répondre aux messages car j'ai quelques trucs en attendant, c'est pas grave, on s'en fout, ça attendra ce soir. Ben oui, c'est vrai que j'aurais pu l'abonner. Ah oui, mais tu vois, c'est seulement maintenant que j'y pense, mais bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant, d'autant plus que ce soir, tu vois, là j'en suis à ma quatrième journée. Demain soir, je rattaque en nuit. Ouais, super, ça va être à fond la forme demain soir. Alors donc, ça veut dire que ce soir, eh bien, je suis pas couché, ou plutôt demain matin, je suis pas couché avant 3 heures, histoire de me décaler pour pouvoir attaquer la nuit. Putain de boulot de merde. Ouais, de toute façon, je dis ça, mais le boulot parfait, il n'existe pas, quoi. Alors, depuis 91, voilà, et la boîte où je suis en ce moment, depuis 99. Ah, ça a monté un peu là au niveau du signal. Ah, tu m'arrives à Santiago 5 là maintenant. Oui, la station, le mille pattes en avant. Ouais, on t'écoute, le mille pattes, la station, vas-y, en avant. Bon, j'ai pas tout compris, c'est pas grave. Ah, peut-être qu'il a dit de retour, c'est peut-être ça, quoi. Alors, vendredi soir ou samedi soir prochain, est-ce que tu seras des nôtres, là, sur le canal 27? Ah, j'en sais rien, je sais pas, toi. Souvent, je suis pas chez moi le vendredi soir ou samedi soir, alors, c'est le bordel. Et chez le collègue, je voulais bien amener un TX, lui montrer ça, y a pas de problème.
Aïe, c'est vrai que là, en plus là, t'as vu la distance les uns des autres, hein, et encore, il en manquait un, c'est-à-dire Belphégor, qui lui est sur le département 47. Alors tu vois, quand tu as le département 24, 16, extrême nord Gironde, et bien le plusieurs stations là, bien éparpillées sur le 33. Le département 47, eh bien, en AM, non, ça, c'est pas possible, quoi. Il faut obligatoirement la BLU, quoi. Ouais. Moi, je sais pas que à cette heure-ci, je suis pas trop sur la route habituellement. J'ai pas trop l'habitude. Putain, mais hey, y en a qui roulent vite sans déconner là. Je vois là par chez moi là sur la nationale Castillon-Libourne. Putain, sans déconner, y en a qui m'ont passé, je suis sûr, à 110. Hein. Ouais, ouais, alors que c'est limité à 90. Et je vois là sur le site où je suis là habituellement, c'est quand c'est là, il y a une semaine et demie de ça. J'arrive là au Prout, ça, j'avais le chef qui est là, et je vois quelqu'un là qui était là, qui était en train justement de pester les gendarmes, ceci, cela, parce qu'il s'est fait sucrer son permis. Bon, j'avais pas pris la discussion au début, donc j'ai rien dit, je savais pas trop ce qu'il en était exactement. Et quand j'ai demandé au chef ce qui lui est arrivé, le mec, il s'est fait flasher à 95 km/h au lieu de 50. Alors ça, s'il s'est pas cherché le bâton pour se rebattre, il a aucune raison de venir se plaindre après ça, quoi. C'est normal, quoi. Ouais, non, mais là, c'est vrai que là, il y a vraiment de l'abus dans ces cas-là. Quoi. Mais c'est bien souvent ceux-là qui pestent le plus la répression, ceci, cela. Hein. Ouais, c'est vrai, quoi. C'est faudrait qu'ils arrêtent un petit peu les gens, là, qui se calment. Parce que on cherche les bâtons pour se faire battre. Hein. Si aujourd'hui, on a autant de répression, c'est parce qu'on a tout fait pour ça, quoi. Voilà, quoi, c'est tout, hein. Ouais, ouais, exactement. Par contre, j'ai entendu parler d'un truc, là, sur le sud-ouest de samedi. Samedi, il y a eu une manifestation des motards. Et c'est quoi cette connerie, là, qu'ils veulent interdire en ville, enfin, si j'ai bien compris, c'est en ville, les motos en dessous de l'année 2000. Ah oui, effectivement, j'étais un peu perdu. Hein. Ouais, sur le sud-ouest, j'ai lu un truc. Samedi, les motards ont manifesté. Et dans les différents trucs là pour lesquels ils ont manifesté, j'ai lu un truc hein, concernant l'âge des motos. Qui voudraient interdire les motos en ville, si j'ai bien compris, qui est en dessous de l'année 2000. Alors toutes les motos anciennes, tout ça, ne pourraient plus rouler en ville, je crois, si j'ai bien compris, ça devrait être ça. T'es au courant de quelque chose à ce niveau-là? Ben ouais, je comprends pas. Interdire les bécanes, ils sont plus vieux que 2000. Ouais, non, mais moi, ce qui me fait rigoler gentiment, c'est empêcher les motos en dessous de l'année 2000 de rouler, et les voitures, alors. Combien il y en a encore sur la route qui sont en dessous de l'année 2000? Il y en a un sacré paquet, et là, par contre, on dit, personne ne dit rien. Non, je pense que là, il faudrait peut-être qu'il soit un petit peu plus juste hein, à ce niveau-là, quoi. Là, il faut qu'il soit un peu plus équitable à ce niveau-là, hein. S'ils autorisent pour les uns, faut qu'ils autorisent pour les autres avec, hein. Ça, je sais pas, c'est une question de bon sens, hein. Ah.
Ouais, bien sûr, oui, non, mais c'est sûr. Et puis surtout que une moto, ça pollue moins qu'une voiture, hein. Ça a toujours été vérifié, ça. Et c'est comme, ah oui, aussi le contrôle technique. Mettre le contrôle technique sur les motos. Attends, le mec, il entretient pas sa moto. Tôt ou tard, il finit dans le fossé, ça c'est clair, c'est réglé comme du papier à musique. Donc, c'est une obligation d'entretenir correctement sa moto si on veut pas se tuer sur la route. Alors, mettre un contrôle technique là-dessus, ça fait gentiment rigoler aussi, quoi. Ah bien sûr, parce que bon, c'est vrai que quand tu vois au niveau des voitures ce qui circule, des fois je me dis comment ces voitures-là ou ces véhicules-là font pour passer au contrôle technique. Tiens, j'ai même déjà vu une fois sur le pont d'Aquitaine, une voiture, une essence. Putain, elle fumait plus qu'un diesel mal réglé, quoi. Oh la vache! D'ailleurs, je me suis demandé sur le coup s'il n'avait pas cassé ce joint de culasse, mais la fumée, c'était pas une fumée blanche, mais bien grise, hein. Oh bordel! Et ça arrive à passer au contrôle technique. Et il veut mettre le contrôle technique sur les motos. C'est vrai que c'est un petit peu hallucinant le truc. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Bon, écoute, on verra bien. Mais je savais pas qu'il y avait une manifestation. Si je suis allé, il n'y a pas de problème. Quand il y en a eu sur mon endroit, je suis en sorte pour y aller. Même pour le gilet, je suis allé. En général, j'y vais, quoi. Bon, mais toi, je savais pas Ok, ben ça passe toujours de mon côté, hein, y a pas de problème. Hein. Eh bien, tu vois, moi j'ai découvert ça aussi samedi là sur le sud-ouest, là, vraiment par hasard. Mais bon, de toute façon, j'aurais pas pu y aller puisque j'étais au pro. Donc pour moi, c'est réglé. Ouais, tu commences à me perdre, ouais, c'est ça? Ok, d'accord. Eh ben, je vais te laisser, je vais te souhaiter la bonne journée. Pour ma part, je débouche à 17h30, alors je sais pas, peut-être qu'on sera en fréquence ou pas là dans ces eaux-là, on verra bien. Sinon, eh ben, les bonnes sont 13h50 à toi, bonne journée et à plus. Bon, en tout cas, après ce soir au QRA, là, j'aurai pas le temps de me mettre en fréquence, hein. Là, j'ai pas mal de boulot, entre guillemets, là, qui m'attend, là, sur Internet. Là, j'ai pas mal de trucs à faire, tout ça, là, de ce côté-là. Alors, sinon, peut-être demain soir sur la route, je sais pas, on verra bien. Enfin bon, de toute façon, à plus. Allez, bonne journée. Ok, merci, j'ai eu Coco hier en fréquence. Allez, bye. Ok, ça marche. Je vous lance un petit appel sur le fond de Mitterrand. Alors, allez, ciao. Ok, bonne journée à toi, ciao. Ah, te revoilà! Oh, toi, t'es sur le pont de la Dordogne! Y'a pas de problème, je suis bien sur le pont sur Mitterrand! Ouais, n'importe quoi! Comme quoi, des fois, pourtant le chemin est court entre le cerveau et la parole. Mais ça fait rien, ça s'est co-circuité quand même! C'est ce que je voulais dire en plus, le pont François Mitterrand! Y'a pas de problème, putain, mais tu vas me péter l'aiguille! Ah! Mais pourtant, j'ai pas bougé. Je suis là, garé là depuis tout à l'heure, dans le bout de la partie industrielle là de Blanquefort, là bien après Ford, là où il y avait autrefois le centre de remblaiement, là carrément dans le fond. Hein. Et bien sur ma gauche, j'ai les pièces d'eau là qu'il y a là tout du long. Hein. Ah bah oui, t'es passé, j'ai pas regardé le Santiago avant ça, mais bon, bref, ça passait fort, un Santiago de zéro presque. Eh oui, je suis au maximum.
Ouais, 0,5, voilà. Bah, de toute façon, moi, pour ma part, je suis qu'avec la puissance du poste, là, dans le push. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Oh, je sais même plus combien j'ai. Ouais, mais bon, il y a la modulation qui est là aussi, et puis j'ai ma grande gueule aussi, là, qui fait le reste. Ok, d'accord. Ah, puis là, j'ai une sale manie, c'est quand je prends le micro, faut que je gueule dedans. Alors, je te dis pas, quand j'ai fait le QSO là, du vendredi soir et samedi soir, là, au QRA, à l'YL, là, qui est sur le canapé, donc pas loin de moi, elle s'en prend plein les oreilles, quoi. Ah, ouais, c'est ça qu'il faudrait, ouais. Mais il faudrait que je réaménage tout ça. Ça deviendrait vite chiant. Ça serait pas forcément évident, quoi. Parce que j'ai bien un bureau. Mais bon, le bureau, bon, bah, c'est les papiers, c'est ceci, c'est cela. Il y a le PC sur lequel l'Y4 travaille dessus. Ça serait pas forcément évident, quoi. Ça serait vite l'angoisse, je crois, là. Ok, eh bien, toi là, quand je branche la station là pour expédition, quoique avec le DK aussi c'est pareil, que je commence à pousser pour favoriser, on va dire, l'effet de propague, ben, je lui coupe la télé, hein. Donc elle est obligée de basculer sur le satellite, là, pour que ça marche correctement, quoi. Bon, c'est vrai qu'avec l'arrivée de la TNT, les problèmes de brouillage de télévision sont réglés, ça c'est très vrai. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'antennes, et la mienne avec, hein, sont équipées de préamplis de réception. Et comme tout préampli de réception, ben, ça attrape la merde. Et non, pour la merde, je me cite pas au passage, mais bon, donc là, tout ce qui est transmission et autres qui passent par là, qui sont vraiment à proximité, et ben, ça les chope avec, et puis ça te coupe tout, quoi. Ouais, mais bon, quoi qu'en marque, c'est vrai. Si tu t'installais au QRA, qu'elle doit venir te casser les pompes, ce serait pas trop la solution non plus. C'est clair, c'est clair. Et t'as pas entendu ce matin? Eh ben non, il doit faire la grasse matinée, le chameau, quoi. Qu'est-ce que tu veux, les vieux, hein, ça profite de la vie, hein. Vu ton pro, il y a des chances. Par contre, du côté de Blanquefort, ça s'est calmé, mais bon, j'aurais pas crié victoire trop vite. Ouais, ça tombe bien, ça tombe bien, ce mot de. Ah ouais, ben, putain, puis c'est vrai que toi, tu y es facilement, hein, en intempérie, quoi. Oh, bordel! Ouais, tu dois être le patron, toi, au niveau de la boîte, c'est pas possible. Au fait, le routier de tout à l'heure, là, je l'ai pas entendu. Hein. Donc, il doit être loin d'ici maintenant, je pense. Ok, je disais, le mille pattes qu'on a eu tout à l'heure, il doit être loin d'ici parce que là, je l'entends plus.
Et en tout cas, tu vois que du moment qu'on occupe la fréquence, eh bien ça y est, ça les fait venir, ça les fait prendre le micro. C'est bon ça. Ouais, ben, de toute façon, il a dit qu'il sera de retour, là, en fin de matinée. Bon, puis on verra bien. Si j'entends un petit coup de klaxon, bon, ben, je saurai que c'est lui, quoi. Ah, ben, c'est bon. Tu as bientôt foulé le mur du son. Une heure et quart pour faire 30-40 km. Ouais, c'est une bonne moyenne, hein. Ben ouais, c'est pas mal. Bon, ben, écoute, on va voir, je suis arrivé, hein. Oh là 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 là. Oh l'horreur. Bah tu m'étonnes, mais c'est normal quoi, il y a un temps pour tout, hein, faut pas déconner quoi. Bien sûr, oui. Alors moi, la moto, là, ça fait un petit moment que je l'ai rangée. Et non, mais il va falloir que je la fasse tourner un peu quand même. C'est vrai que... Puis il va falloir que je remette un peu la batterie en charge, que je la sorte un peu. Mais bon, les temps... Ah ben, toi, là, quand je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas que j'écris 8 heures trop vite, là, concernant le temps. Eh ben, ça y est, c'est reparti de mon côté, là. Bon, ça s'était pas arrêté, mais c'est reparti de plus belle au niveau de la flotte. Ouais. Bon, pourvu que je ne sois pas dehors aujourd'hui, là, comme vendredi. Ah la vache, putain, vendredi, bon, je me suis bien caillé, mais bon, peu importe. J'ai quand même passé la journée dehors. Hein. Vendredi, t'as dû en entendre parler, là, de ce qu'il y a eu vendredi du côté de Bassins, par là-bas, là, vers le fond, là, enfin, dans les environs de Bassins. Attends deux secondes, oui la station, les modes 73-51 de la part de Daddy 33 en compagnie de JFK. Bon ben c'est pas grave, j'ai entendu un appel furtif, et oui vendredi, t'as pas entendu aux actualités, partout à la télé, là au niveau de l'Essir, il y a eu une grosse visite là-bas. Bah, ils ont fait l'inauguration de la nouvelle usine de Sieur. Et bon, t'as le Premier ministre, tout ça, là, qui était là-bas, quoi. Voilà, donc, bon, bah, je vais être envoyé sur le coup, quoi. Ouais, ben bah tiens, justement, quand j'ai personne en fréquence, juste on va dire le bruit de fond de la M, j'ai mes essuie-glaces, moi les miens, là, qui passent dedans, et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'attraper les essuie-glaces des autres. C'est un petit peu casse-burette. Hein.
Ouais, je disais que moi, c'est mes essuie-glaces, moi, qui passent dedans. Dès qu'il n'y a plus personne qui parle, quoi que ce soit, j'entends mes essuie-glaces. Mais ça m'est déjà arrivé d'entendre également les essuie-glaces des autres. Ok, c'est parti. Ah, la fréquence est beaucoup plus propre. Hein. Oui, je t'entends, c'est pas mieux. Ah oui, là, j'ai plus la QRM, j'ai plus rien, là. Ouais, mais bon, là, je sais pas où t'es, mais je devrais bientôt te perdre. Hein. Ah oui, et puis, ouais, Talence Blanquefort, bon, c'est vrai qu'un vol d'oiseau, ça fait pas très loin, quoi. Mais bon, avec tous les bâtiments, tout ça, c'est quand même pas mal. Non, non, on va pas se plaindre. Bon, alors, et notre ami Coco 33, il est où? Coco, est-ce que t'es en fréquence? Ah ouais, là, c'est pas possible, hein. Il est bientôt 8h, enfin 8h moins 5, moins 10, et il est toujours pas là, quoi. Bah oui, il fait la sieste, hein. Il s'est dit, tiens, pourquoi pas si je recommençais une deuxième nuit, là, aujourd'hui, hein. Ouais, en train de préparer les tartines, ou peut-être qu'il est carrément pas sorti du lit encore. Ah ben ce matin il se laisse couler, ouais. Oh putain. Il a certainement dû se lever tout à l'heure, il a ouvert la fenêtre, il a vu le temps, il s'est dit, ça c'est pas une journée pour moi, je retourne au 144. Ok, bon, on va pas insister plus longtemps. Dans ces cas-là, je vais te laisser. Je vais te souhaiter la bonne journée avec le beau soleil qui est en ce moment à chie trois coups. Ouais, ouais, bah, de toute façon, toi, tu passes toujours, hein, y a pas de problème, hein. Essaye en inférieur, essaye en. Ok, c'est parti. Alors, ok, bah, ici, j'ai un peu plus de QRM, mais c'est quand même très propre, hein. Ok, alors attends, je regarde un truc. Ok, attends deux secondes, je relâche le micro. Ouais, alors, j'ai quoi? J'ai un de tos. Non, plus que ça, faut pas déconner. Si, j'ai pas de tos. Si, juste un peu. Juste un petit peu de tos, histoire de faire plaisir. Je suis étonné parce que en principe, mon antenne, je l'ai réglée à cheval entre les 40 canaux normaux et supérieurs. Ben ouais, écoute, ça va, le tos, c'est pas... Ouais, ouais, bon, sur les 40 canaux normaux et supérieurs, j'ai juste un de tos. Voilà, je suis vraiment au minimum. Et je m'attendais à plus que ça.
Bah, peut-être qu'en même temps, avec la flotte, ça m'améliore le plan de masse, et que du coup, ça m'a fait baisser le dos. En principe, c'est l'inverse hein, que ça fait. Ouais. Dès qu'il y a un petit peu de flotte, là, ça tendance à faire monter un petit peu le dos. Là, ça a l'air d'être l'inverse. On voit que depuis tout à l'heure qu'on module, l'antenne a eu le temps de chauffer un peu et de sécher, quoi. Hachi. Ouais, c'est ça, ouais, là, ça doit être bon, là. Mais en supérieur, ça va beaucoup. Ah ben, en supérieur, non, j'ai, comme en norme, comme sur les 40 canaux normaux, j'ai pas de tosse, hein. Sur les 2 fois sup, au-delà du 11 2 fois sup, de toute façon, j'y vais pas. Les 2 fois sup, je les utilise jamais. Si on regarde un petit peu la plage d'utilisation qu'on en fait de la CB, c'est bien souvent sur 80 canaux, hein, c'est-à-dire 40 canaux normaux, 40 canaux supérieurs. Donc, dans la grande majorité, ça tourne autour de ça, et c'est pour ça que j'ai réglé mon antenne par rapport à ça, mais là, aujourd'hui, je suis étonné. Là, en inférieur, comme ça, sur le 19, j'ai rien. Ou, enfin, juste à peine. Ah, pourtant, ma grande gueule, je l'ouvre, hein. Ah, chie, là, tu dois... Non, comme quoi, j'ai beau parler fort dans le micro, mais en AM, ça fait rien de plus. Hein. En BLU, effectivement, ça donne un coup de pouce, mais en AM, ça donne rien de plus. Hein. Je pense que là, bon, on va pas s'emmerder plus longtemps, on va pas insister plus longtemps. Moi, je t'entends encore, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je te sens encore très bien. Bon, t'as du mal à me sortir. Moi, bon, je vais pas t'emmerder plus longtemps. On va arrêter là, quoi. Disons que moi, c'est surtout pour ne pas t'embêter plus, hein. C'est vrai que par moment, là, tu me sors mal. Bon, c'est pas... Ah, et puis il est presque 8h. Ouais. Ok, ouais, bon, ouais, tiens, je vais peut-être me rapprocher un petit peu, là, me montrer un peu, là, dans le coin, malgré que ce soit 8h30 que j'embauche. Et puis on verra bien. Allez, ok, les 2371 à toi, bonne journée, et à plus. Ok, ciao. Thank you.
faire un terme. Mais bon, c'est de la merde, tu vois, c'est zéro, quoi. Nicolas, chez l'armée, il y avait ce qu'il faut, un cube émission, là, les cubes 14 de ça, je me rappelle, les mecs, ils se les lançaient sur la gueule, ils jouaient à la grenade, ces gros cons. Au prix, ça vaut un tube comme ça, c'est vraiment des bourrés. Va t'en chercher des cubes 14 de ça, tu vois. Faut être en fanat pour aller comme ça, crever des tubes tout neufs, ça va même mal, je trouve.